Shalom, shalom, mon peuple du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26 novembre 2021. Nous sommes sur la montagne, notre moment de prière quotidienne. Et pour ce jour, nous utilisons le texte de Psaume, le chapitre 23, le verset 5 qui dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindues ma tête et ma coupe déborde. Frères et sœurs, lorsque David dit que le Seigneur dresse devant lui une table en face de ses adversaires, cette table a une double fonction. La première fonction, c'est que cette table reçoit des mets succulents, qui est signe de bénédiction. Donc, cette table reçoit tout type de bénédiction que Dieu donne à David. Et cette table est donc le témoin de ce que Dieu a béni David. Deuxièmement, l'autre fonction est que cette table est aussi une marque de séparation entre David et ses adversaires. C'est une marque de sécurité. C'est une ligne que l'ennemi ne peut pas franchir pour pouvoir toucher David. Donc, non seulement les ennemis sont de l'autre côté de la table, ils observent David à table en train de manger, en train de bénéficier des richesses, des bénédictions de Dieu. Mais en plus, les ennemis ne peuvent pas l'atteindre. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu mangeras à la table des grands et les ennemis ne pourront pas t'atteindre. Amen. Et après, David dit que tu oins d'huile ma tête. L'onction d'huile montre que David a été choisi par Dieu. C'est donc le signe de la démarcation, le signe de l'élévation, le signe de la distinction, le signe que c'est Dieu qui a porté son choix sur David. Et l'onction d'huile aussi, c'est la présence continuelle du Saint-Esprit dans notre vie. Lorsque Dieu oint d'huile ta tête, bien-aimé dans le Seigneur, ça montre que Dieu t'a choisi et à toi vient donc la promotion, l'élévation, la bénédiction, les distinctions dans tous les milieux dans lesquels tu te trouves. Et cela est ton partage également au nom de Jésus-Christ. David ajoute que ma coupe déborde. Une coupe peut être pleine. La coupe pleine, c'est la bénédiction de Dieu qui vient pour soi-même. C'est la bénédiction de Dieu utile pour soi-même et pour sa famille. Mais lorsque cette coupe déborde, Dieu t'utilise en ce moment-là, non seulement pour toi, une bénédiction est pour toi-même, mais Dieu t'utilise. Lorsque la coupe déborde, cela signifie que non seulement Dieu t'a déjà béni, mais ça déborde pour que tu utilises d'autres ressources pour aider tous ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé, souvent les gens te demandent de l'argent, les gens te demandent des services. Tu as bien envie de le faire, mais tu n'as pas les moyens. La coupe qui déborde montre que le Seigneur te donnera suffisamment de moyens, matériels, financiers, spirituels, des moyens à tous les niveaux, de sorte que tu puisses aider tous ceux qui viendront à toi pour te demander un service. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Père, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dresse devant chacun d'entre nous une table en face de ses adversaires. Tous ceux qui sont opprimés, oppressés par l'ennemi, que cette table soit la limite, soit la marque de délimitation, de sorte que l'ennemi ne puisse pas les atteindre en cette fin d'année. Protège chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons pas atteints. Père, tu as dressé cette table. Et cette table est le signe aussi de ta protection sur nous, sur nos vies, sur nos activités, dans nos déplacements. Père, qu'en cette journée, cette table soit continuellement dressée. Que tu nous bénisses, que tu nous protèges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu oindules ma tête. Oindule la tête de chacun d'entre nous en cette journée. Que ceux qui attendent de ta part une promotion, une élévation, un signe de démarcation, un signe de distinction, que cela reçoive cela au nom de Jésus-Christ. En cette journée, Père, élève chacun d'entre nous, bénis chacun d'entre nous, oindule la tête de chacun d'entre nous. Ceux qui attendent de toi l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, visite-les en cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Esprit Saint descende sur chacun. Que ta puissance descende sur chacun au nom de Jésus-Christ. Père, fais déborder notre coupe. Que notre coupe déborde. C'est vrai que tu nous as déjà bénis. Nous voulons voir plus de matérialisation de cette bénédiction. Afin que nous soyons des canaux de bénédiction pour nos frères, nos sœurs, pour notre nation, pour nos villes, pour nos hameaux, nos villages, pour nos églises. Agis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont des canaux de bénédiction, qui cherchent les moyens pour aider les chômeurs, ouvre les portes pour eux. Ceux qui cherchent les moyens pour aider ceux qui ont faim, ouvre les portes pour eux. Ceux qui cherchent les moyens pour soigner, pour aider les gens qui sont malades, ouvre les portes pour eux. Que leur coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Que leur coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Père, agis puissamment pour que la gloire te revienne. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, spécialement pour
tous ceux qui veulent faire carrière dans la politique. Nous allons prier pour vous. Ceux qui sont chrétiens, qui veulent faire carrière dans la politique, que Dieu vous utilise, que votre coupe déborde, qu'il oigne votre tête, et que là où vous avez des échéances au niveau de la politique, que ce soit pour les élections municipales, les élections législatives ou présidentielles, que Dieu vous utilise afin que vous puissiez être des canaux de bénédiction. Père, je prie Éternel des armées, pour tous ceux qui veulent embraser une carrière politique, utilise-les, que leur coupe déborde, que tu oignes d'huile leur tête, Père, afin qu'ils soient des bénédictions. Ceux qui veulent rentrer dans la politique pour aider la population, pour aider les villages, les villes, les régions, pour aider toute la nation, Père, utilise-les, protège-les dans cette carrière politique, élève-les dans cette carrière politique, de même que tu as oint la tête de David à la place de Saül. Oint leur tête et qu'ils soient des canaux de bénédiction. Nous prions également pour le milieu politique de la Côte d'Ivoire. Père, utilise les hommes politiques afin qu'ils soient des canaux de bénédiction pour notre nation. Père, les maires, les députés, les chefs d'État, utilise-les afin que nos nations soient bien gouvernées, afin que nos nations soient bien dirigées, que les ressources soient bien utilisées sur tout l'ensemble du territoire, que chaque peuple, chaque région bénéficie des richesses de nos nations, au nom de Jésus-Christ. Que les crises, les guerres, les injures, les animosités s'éloignent du milieu politique, assainis le milieu politique, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur la montagne. Nous venons de finir ce moment de prière. N'oubliez pas, partagez ces moments de prière que nous avons sur vos différentes plateformes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom et à très bientôt.